Belle robe en mousseline. Que chez Cronillas. À encolure bateau. Exactement, François. Très original. Avec ce petit chapeau très fini. La féminité parmi nous. Une petite cape de bison rasé. Anna, vous revenez, êtes Anna. Belle cape. Petite cape de bison rasé. Parce que rien n'est trop beau. Dans une cérémonie de mariage. Célia, dans une magnifique robe en satin rouge. Regardez quel rouge, François. Elle est agrémentée d'un nœud. Et vous remarquerez qu'à l'arrière de la robe, l'arrière est lacée. Tout à fait, très jolie robe. On ne peut que la remarquer, n'est-ce pas, François? Tout à fait, Célia dans cette robe est superbe. Avec la mariée de ce soir, la très belle Angélique. Tout à fait, avec une robe de mariée collection Rosa Clara. Robe de mariée en dentelle et tulle. Mais remarquez-vous la superposition de deux catégories de dentelles? Tout à fait, deux catégories de dentelles superposées, effectivement. Et cette... Angélique, le rêve, le mariage, notre soirée ce soir. Avec une jupe et une très belle veste rouge de chez Carlotta. En taffetas de soie. Veste volantée. Ainsi que l'arrière de la jupe, mesdames. Héloïse, féminine. Parce qu'un mariage peut aussi se faire en... Se marie revient. En robe de mariée de satin. Accompagnée des jeunes Diane et Rose. Portent toutes les deux une robe en taffetas vert du plus bel effet. Le très joli Diane et Rose. La féminité commence à tout âge, n'est-ce pas, François? Tout à fait. Elle commence déjà à poser devant les objectifs, c'est très bien. Tout à fait, nous avons maintenant la jolie Anna qui revient avec une très jolie robe de chez Rosa Clara. En tulle argenté. Brodée de perles et de strass. Très très jolie robe. Avez-vous remarqué les accessoires, François? Tout à fait. Magnifique. Des chapeaux, des voiles, des petits sacs.
Regardez ce tulle argenté, magnifique, brillant.